Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle BMW. Ça fait de la deuxième d'affilée, mais c'est pas grave parce que moi je suis un BMiste. Alors je suis pas tout seul, aujourd'hui je suis avec l'habitué Melvin et le propriétaire donc, que vous connaissez, monsieur Jérôme. Bonjour Jérôme. Et aujourd'hui, donc, comme je vous avais prévenu dans la vidéo de la BMW 325i E30, il y aura une BM qui va revenir sur la chaîne de quelqu'un que vous connaissez, qui va venir. Et ben, nouvelle BM d'un propriétaire que vous connaissez, puisqu'on avait fait la Golf 7 GTI Club Sport. Et donc, ce monsieur a revendu sa Golf pour acheter cette superbe BMW M235i. Alors, M235i, c'est quoi? C'est la petite berline de chez BMW. Petite berline qui reste néanmoins très énervée. On en parlera de ça après. Alors, au niveau de cette voiture, tu l'as achetée il y a vraiment pas longtemps. Elle est toute récente. Ça fait 3 mois. 3 mois, donc vraiment. Et t'en es content du coup pour l'instant? Ah oui, j'en suis très content. Ouais. Ça, y a pas de souci. Ça consomme pas trop que ça au final. Ouais. Il y a un couple qui est beaucoup plus important que la Golf. Ah bah ça, ouais. Ça patine pas du tout. Enfin, sauf quand tu veux. Ouais. Et non, c'est super confortable, il n'y a rien à dire. C'est une voiture donc de 2014. Esthétiquement, vraiment, c'est ce qu'on disait, elle pourrait sortir en 2018, que ça passerait totalement. C'est vraiment une voiture qui a vraiment des lignes encore très modernes, très sympathiques. Donc c'est une X-Drive, même s'il n'y a pas les logos, ils ont été enlevés. Et la voiture n'est pas totalement d'origine. Alors on va faire un petit tour au niveau de l'extérieur. On va déjà commencer par la face avant, vous avez l'habitude maintenant sur ma chaîne. Alors bon, les pilotes BMW savent très bien être énervés au volant. Et ils ont la réputation d'être des gens très énervés. Et quand on a cette voiture, on voit à l'avant, alors ça clignote, mais c'est parce que c'est du LED, hein, donc forcément moi j'ai pas assez de FPS pour pas voir les clignotis là. Mais donc c'est une voiture qui est extrêmement agressive à l'œil. Alors qu'est-ce qu'on a qui a été modifié comparé à l'origine? J'ai mis les calandres du coup noir brillant au lieu de chromé, ça a été déchromé. Ouais. On a les crash bars à l'intérieur du coup bleu. Alors je vais essayer de les filmer, mais effectivement on les voit là, ouais, on les voit bien. Voilà. 2 crash bars de chaque côté. J'ai rajouté du coup la lame là. Et j'ai fait peindre la bouche complète ici parce que je trouvais ça plus joli. Et c'est vrai que ça l'est. Et la lame en fait elle va pas au fond, donc j'ai fait peindre derrière également. D'accord, ça, ouais. On était tranquille. Ce qui est déjà sympa, vraiment en noir comme ça avec le gris, forcément ça fait très ça fait un nez très très agressif. Vous voyez comme ça. Et vraiment moi j'aime beaucoup, surtout la calandre noire, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Au niveau des feux, bon évidemment on est full LED avec une belle signature. Vraiment des feux typiques de chez BMW en fait, hein. C'est vraiment, c'était encore les BMW où ils n'avaient pas vraiment changé de design. Donc là vraiment on est sur quelque chose de somme toute classique. Au niveau du design, on a quelques lignes sur le capot, on en a 2 au centre et 1 de chaque côté. Voilà, qui vont se perdre en fait directement, encore une fois désolé pour le vent, hein, qui vont se perdre directement au niveau des rétroviseurs. On a quelque chose d'assez simple. Mais regardez-le le clown là-bas. Regardez-le ce clown technicien qu'il est. Donc vraiment, c'est à la fois pas hyper musclé, mais en fait ça suffit largement et ça devient très agressif avec tous les petits ajouts, les petits détails. Donc c'est une voiture vraiment à l'avant qui est à mon sens réussie. Sur les côtés, alors il y a pas mal de choses à dire. On a déjà le petit logo M, qu'on connaît tous très bien maintenant. Et on a donc ces jantes qui ne sont pas d'origine. Alors c'est quoi comme jantes? C'est des jantes en 19 pouces. Ouais. Malheureusement, je peux pas mettre les vrais 763M parce que par rapport au départ, en fait, ça passe pas sur ma voiture. Ok, ouais. Et l'Anthrax. Du coup, j'ai dû prendre des répliques. Donc, ok. De très bonne qualité, heureusement. Ouais, oui, elles ont l'air. Mais du coup, c'est en 19 pouces. J'ai changé les 18 pour du 19 parce que je trouvais ça quand même beaucoup plus joli. Ouais, bah c'est vrai que ça apporte quelque chose. Donc là, c'est tout récent. Il y a encore la glace de pneus. Ça a été fait il y a 3 jours. Et au niveau des freins, c'est ce qu'on disait, c'est énorme. Mais alors vraiment. Je n'ai pas le diamètre des freins, je ne m'y suis pas encore intéressé. Ah bah c'est, ça freine, je pense. Très belle ligne. Les lettres noires, ouais. Aussi. Ils étaient gris à l'origine. Et j'ai pas mis les rétros avec la petite ailette parce que j'avais peur de l'appel d'air qui peut aller dans la voiture. C'est ce ok, que ouais, ouais, c'est ce que tu me disais. Voilà. Donc bah, après. En noir, c'est très sympa ça. Bah, pareil, ça se marie avec toutes les petites pièces noires. Voilà. Et sur le côté, en termes de ligne de design, on a celle-là. Donc qui part au niveau de l'aile, qui part jusqu'au fond et qui rehausse vraiment la caisse. Après ça a souvent été fait, mais vous voyez en fait elle fait toute la ceinture de caisse, c'est vraiment très beau. Avec la poignée qui est au-dessus pour encore une fois ajouter un effet un peu levé. Parce que la voiture est quand même assez basse, hein, c'est pas une très grande voiture. Et au niveau en bas on a des sortes de bas de caisse. Je pense que c'est Pakem ça. C'est Pakem, ouais. C'est Pakem. C'est un Pakem d'origine ça, donc j'ai pas touché. Et à l'arrière on a des pneus encore plus larges, ouais. Encore plus énormes. C'est quoi la dimension tu m'avais dit? On est en 2,45-30 à l'arrière. 2,45-30. Ouais. Ça commence à être. Là ouais, on commence à avoir du boudin comme il faut. Surtout sur le gabarit de la voiture encore une fois. Ouais. Oui, puis alors surtout quand on regarde sur le côté. Waouh. C'est ça va quoi, c'est ouais. Ça ressort. C'est tout pile. Voilà, un côté somme toute assez épuré avec les vitres teintées à l'arrière. Pas de chrome, hein, on a que des entourages en noir. Oui, c'est le pack Black Shadow, je crois, un truc d'engin, ils appellent ça. Bah, c'est très beau. Shadow, hein. Ouais, bah, bref, c'est Shadow. Ouais, c'est quelque chose avec Shadow dedans. Voilà. Et c'est d'origine aussi, ça, j'ai rien touché. Les vitres sont teintées d'origine aussi. Ok, ouais. Ah, parce que c'est teinté et teinté, hein. C'est, on voit rien c'est du pas tout. Mal, ouais. Là, on est sur du bon fumage. Et à l'arrière, pareil, hein, vous allez voir tout de suite qu'il n'y a pas grand chose. Enfin, il y a quelques modifications. Alors, voilà. On va commencer par le dessus. Le béquet, du coup.
noir brillant. Très sympa, fait... très plus gros que ce que je croyais en photo. Vraiment très épais. J'ai fait décigler le X-Drive parce que celle-ci c'est une X-Drive. Et vraiment c'est pas beau le sigle. Et j'ai fait passer du coup ces logos là en noir brillant. Voilà, M235i, c'est sympa, c'est joli. Et au niveau de la ligne, on voit aussi qu'il y a du coup diffuseur noir brillant, parce qu'à l'origine il est moche le diffuseur. J'ai changé le diffuseur pour un diffuseur M Performance. Embout d'échappement Remus et suppression du résonateur. C'est très sympa, hein. Vous allez l'entendre. Remus, hein, c'est pas une ligne complète. Hein. Ouais, ouais, ok. C'est que les embouts qui ont été soudés, etc. Et juste suppression du résonateur, ça suffisait déjà pour moi. Oui, bah on l'entendra, ça fait c'est suffisant. C'est sympa. Quand on roule normalement, ça fait pas un bruit, et quand on veut faire du bruit, ça fait du bruit. Ça fait du bruit. Et vraiment, ça a des petits retours, c'est vraiment sympa. Alors celle-là est quasiment toute option, hein, c'est ce que tu me disais, il manque deux conneries, c'est ça de... Il manque les antibrouillards avant et le pack rangement. Ouais, donc vraiment des détails, on va dire, voilà, donc qui n'est pas important. On a la petite Eldor qui est au-dessus et le toit ouvrant. Alors le toit ouvrant, moi je suis absolument fan, ça ajoute quelque chose au niveau du toit d'agressif. Quelque chose qui est vraiment vraiment magnifique. Moi alors, comme vous le savez, je l'ai dit dans la dernière vidéo, je suis un BMiste convaincu. Et quand je l'ai vue, j'ai pas arrêté de dire ah, oh, punaise, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Vraiment, je la trouve absolument magnifique. Esthétiquement, c'est ce que je disais, peut-être voir pour un toit noir, c'est la seule chose que je verrais. Et encore, c'est même pas, je la trouve tellement agressive, tellement belle. Parce qu'une BM doit être agressive, hein, vraiment. Je suis désolé, mais à un moment, faut que ça pète. Il faut aussi que ça reste quand même un petit peu sobre, parce que ça reste un véhicule classe. Bien sûr. On reste vraiment sur du premium là. Et du coup, je voulais pas non plus que ça fasse trop bas, trop jackie. Ouais, non, mais t'as bien raison. Encore une fois, c'est mon avis à moi. Du coup, on va aller voir l'intérieur. Bah, je vais te laisser aller plutôt côté conducteur. Alors, des portes sans montant, hein, évidemment, on est sur du premium. Au niveau des portières, bon, elles sont lourdes, mais ça va, c'est plus léger que la 325i. Et on a donc... C'est du cuir au-dessus, hein. Ça m'a pas l'air... Non, ça c'est motonné et là c'est du cuir. Ok, ouais. Donc vraiment, on a quand même un intérieur de porte sympa. Ça, j'aime beaucoup. Pour rentrer, on a déjà le petit badge M235i, histoire que vous ayez bien compris que vous êtes dans une BM. On a des sièges donc réglables électriquement, chauffants et vraiment à mémoire de position pour le conducteur. Donc vraiment tout confort. Et on a pour les passagers arrière des petits boutons qui permettent d'avancer le siège. Nope. Nope. Ah oui d'accord, juste un petit coup et ça avance. Oh là là, incroyable la technologie. On va en profiter pour filmer avant les places arrière, comme ça ce sera fait. Hop, voilà. Alors au niveau des places arrière, on a donc 5 places. Non, on en a 2. On en a 2, donc ça fait 4 places parce que vraiment là, c'est impossible de mettre quelqu'un. Bon, des places arrière qui font office de dépannage on va dire, parce que vraiment ça a l'air petit. Aux jambes, il n'y a pas de souci, c'est en hauteur. Ouais, ouais, ça a l'air vraiment petit, je pense que je rentre pas. C'est en hauteur le problème, parce que c'est une coupée. Ouais, forcément. Encore une fois, elle est surpiqûre en cuir, du coup, sur les côtés, hein, bien entendu. Ouais, on a la totale. On est vraiment bien quand même à l'arrière, mais c'est comme je dis, faut pas avoir un grand bus, faut être pas très. Ouais, et puis par contre, on a la clim, ça c'est cool, donc Bizone, je suppose. Oui. Vraiment très sympa. Il y a aussi une petite prise de volt au besoin. Voilà. Ouais, ils sont pas oubliés quoi, ils ont un petit rangement, ils sont bien. Ça va. En tout cas, moi j'aime bien. J'aime bien. Et donc, au niveau des places avant. Un petit coup. Voilà, juste. Oh là, c'est le luxe. Non, mais attendez, nous sommes pas chez Dacia ici, d'accord. Là, tu vois, tu. Ouais, ah totalement, oui, totalement réglable. C'est la totale. Là, du coup, on a les réglages lombaires aussi. On peut régler également là. Donc, on peut être serré ici, serré là. Voilà, on gère tout. Et donc, je vais m'asseoir. Instant papy. Ouais, en fait, ça va. C'est pas si bas que ça. Alors, au niveau de l'intérieur, on a donc de retour ce beau plastique que moi j'aime beaucoup au niveau du motif. On a à l'intérieur, donc ça, c'est le grand écran qui était disponible à l'époque. Donc, on verra un peu plus quand on roulera. On a tous les boutons de réglage, hein, donc comme disait Vilebrequin, en fait, vous pouvez régler ce que vous voulez là. Si ça, c'est en froid, ce sera froid. Donc, pourquoi pas. Bon, c'est original. Au niveau des rangements, je suis un vieux. Là, c'est le problème, c'est qu'on n'a pas grand-chose. On a là, ça sert un peu à rien. Ah oui, oh, c'est minuscule. Vous voyez de quoi mettre des pièces, quoi. Voilà, ça sert un peu à rien. Là, à l'origine, il y a des supports qu'on peut mettre plus haut pour pouvoir ranger des jetons, etc. J'ai tout giclé pour pouvoir mettre mon téléphone, etc. Ok, ouais. Boîte à gants classique, hein. rien de fou. Voilà. Et la coudoir par contre, qui lui, il y a un peu de place, mais il n'est pas assez profond selon moi. Voilà. Ok, oui, c'est vrai que c'est le petit défaut parce qu'au final, il n'y a rien en dessous, donc c'est dommage. Ok, ouais. Voilà. On va dire que c'est le petit côté dommage. Et du coup, on n'a pas de rangement, on n'a aucun rangement sous. Ouais, sous les sièges, il n'y a rien. Là. Ouais. C'est pour le gain de poids, la sportivité, messieurs, dames. Contrairement à la Golf, voilà. La Golf était bien niveau rangement. Ouais. Ça, on l'avait vu, même le range-lunettes. Là, il n'y a pas de range-lunettes. Là, il n'y a vraiment rien, quoi. Voilà, c'est le petit souci, on va dire. Sinon, ça reste quand même très propre. Voilà, ça date de 2014, donc il y avait déjà de la technologie depuis quelques temps. Alors, pour la boîte automatique, on a une boîte automatique à 8 rapports, c'est ça. Double embrayage. 19-8.
Donc ouais, vraiment de la qualité qui est vraiment reconnue comme boîte. On a quelques boutons, on a le mode sport, on a le SPF. C'est pour les radars de recul et activer la caméra également. Ok ouais. Donc, je vous montrerai du coup. Et le mode éco, je vois. Ça me le fait mode éco pro fonctionne très très bien. Ah ouais. Ah ouais. Par contre, il fonctionne vraiment très. Tu descends bien à combien de litres avec le mode éco? Alors, j'ai jamais fait le test complet, mais on peut facilement descendre en dessous des 8 litres. Ok, ouais, donc, ça marche très bien le mode EcoPro. Ouais. Ok, ouais, c'est quand même efficace si quelqu'un. Ça enlève pas mal de puissance, je peux pas dire combien, mais ça enlève. Ouais, pas forcément. Et du coup, il y a le limiteur et le régulateur de vitesse sur celle-ci. Ok, ouais, il y a vraiment tout. Les feux adaptatifs aussi. Ouais. Oui, parce que je l'avais pas dit, il y a aussi les phares adaptatifs sur celle-ci. Ok, ouais. Oui, elle a vraiment, donc quand je dis elle a tout, elle a tout. Elle a vraiment ouais, toutes les options. Le volant qui est très sympa, c'est gainé en cuir. Hein. Ouais, oui. C'est du cuir. Le petit logo M. Voilà. Et les compteurs qui sont gradués jusqu'à 2,60 et elle les prend sans problème. Oui, sans trop de soucis. Le sur Autobahn. Voilà, sur, mais bien sûr. Mais attendez, mais nous respectons les lois de la maréchaussée, évidemment. Et du coup, bah là, alors, ce qui est sympa, c'est qu'on peut vraiment être voilà, cloisonné. Cloisonné, mais vraiment, avec les aérations, quand ouais, on a. Mais on peut vraiment être très bien parce que être confiné dedans, c'est possible. Parce qu'effectivement, avec les sièges de toit noir, moi perso, j'adore hein, quand c'est petit ouais. Et comme ça. Vraiment, ça fait très engoncé, c'est sûr que c'est une petite voiture. Donc, ça de toit ouvrant comme ça, c'est toujours sympa. Il s'ouvre, donc lui il rentre. Ah oui, d'accord, oui, il s'ouvre. Ouais, il rentre dans la carrosserie. Oh là là. C'est beau. Et là, par contre, on peut plus l'ouvrir. Ok, oui, bah ouais, logique. On a bah, l'écran, hein. On en profite pour du montrer. Du coup, l'écran, bah, il y a tous les menus. Hein. Donc, il s'active à la molette, hein. À la c'est molette, pas encore tactile. Menus, téléphoner, voilà, nav, etc. Alors, je trouve ça beaucoup plus facile que le tactile hein, en passant. Ah oui. Oui. Bah déjà, c'est vachement plus réactif, forcément. C'est beaucoup plus réactif, ça évite d'être comme ça pendant qu'on roule, c'est quand même beaucoup mieux. En plus, ça, voilà, le GPS est quand même joli par rapport à. Il est plus beau que celui avant. Des Peugeot. Ouais, c'est assez sympa. Voilà, là, je peux dézoomer, on peut vraiment faire ce qu'on veut hein, au final. Et après, mettre l'itinéraire qu'on souhaite, en annonce vocale, on fait ce qu'on veut. Ok, ouais, ça reste assez ouais. Moderne. Oui, ça reste encore bien. On peut rentrer l'adresse, on peut l'entrer manuellement ou. Je ne sais même pas pourquoi ça a été mis ça. Voilà. On peut éventuellement l'écrire. Ah oui, d'accord. Wow. Bien sûr, on a le pad. Ah ouais, ça vous c'est. Vous pouvez écrire votre lettre. Si vous voulez mettre un A, vous mettez votre A. Ah punaise. Et ainsi de suite. Enfin, ah ça, par contre, je ne savais pas. Voilà, ça a mis un I. Je l'ai raté. Mais... voilà. Et du coup, bah, après, voilà, vous avez tout ce qui est média. Donc là, avec le Bluetooth, auxiliaire. Et puis du coup, vous avez le lecteur CD. Sachant qu'au niveau de l'audio, c'est des très bonnes enceintes. Hein. On est en Harman Kardon, oui. Donc vraiment, là, on est sur du très lourd. Une fois, l'option qui est dedans. Ouais. Et du coup, bah, on a tout l'historique VV aussi, si on le souhaite. Donc on a l'affichage sport. Et du coup, là, c'est dans le statut du véhicule. Je sais plus où c'est. Échéance de maintenance. Voilà. Il y a toutes les échéances, toutes les historiques. Ouais, tout ce qui okay, a été ouais. Fait. Quoi. Tout. On a tout. Voilà. Jusqu'à. Avec les nombres de kilomètres, 25 000, 44 000, ah oui. Tout a été fait chez BMW depuis tout est sa suivi. Sortie. Ouais, tout a été suivi. D'ailleurs, bah, on en profite de dire, ouais. La voiture n'est pas à vendre. Non. Mais si jamais elle vous intéresse, 35 000. Ah, vous savez. Oui, je la laisserai partir. Voilà, elle n'est pas à vendre, il n'y a pas de... Voilà, mais si jamais elle vous intéresse, vous pour, savez pour qu'il y a pour l'instant, non, mais je la vendrai 35 000. Voilà, je la mettrai à 35 000. Si jamais, voilà. Donc si quelqu'un vient avec cette offre-là, oui, bien sûr. Eh bien, il est bien. On a le petit M235 qui s'est affiché là. Oui. Il va s'afficher aussi en roulant, il sera ici, du coup. Ok, ouais. Là, du coup, on aura d'autres informations. Pareil, on n'a pas la vitesse digitale. Ok, ouais, c'est. On ouais. A que pareil, oui. Alors, je trouve ça à peine dommage. Parce que ouais. Ça a coûté rien, sachant qu'on a quand même les. C'est vrai digitales. Que c'est, ça rajoute à rien. Et qu'en plus, dans le tas, on a une. À un moment donné, j'ai rien du tout si je veux. Je peux mettre okay. L'heure, la date, la consommation ou rien. Donc, okay. Ils auraient pu mettre la vitesse. Ouais, c'est vrai. C'est le. Voilà. Moi, je dis les défauts quand il y en a. C'est des petits défauts. C'est pas grand chose. Ouais. Ça reste, ça va. La voilà. Voiture n'est pas une merguez pour autant. Et on a le frein, hein. Oui, électrique, ce qui est pas électrique, du coup, manuel. Et là, ça qui est sympa, qui peut aider sur certaines activités sportives. non, mais sinon, voilà, on est au niveau des matières. Hein. Plastique. Ah, c'est dommage ça. Il y a plastique mou quand même. Moussé, ouais. Ah, ok, ça va. Moussé ouais. Très dur, mais moussé quand même. Ouais. Puis voilà. Hein. Heureusement. Et puis moi j'adore hein. Vraiment ça, je trouve ça très beau. Ouais. C'est très joli. Je sais que sur la M2 c'est en carbone, il y a toute une barre en carbone là. J'hésite à la mettre, parce que au final je trouve ça joli. Oh, ça éclaire un peu, ça apporte un peu de contraste par rapport au noir. Et puis vraiment, non, c'est quelque chose qui est très sympa. Hein. C'est, au niveau du pédalier, on a le petit M voilà. Là-bas. Voilà, j'hésite à passer ça en allure aussi. Pourquoi pas, c'est toujours sympa. Chances, mais c'est tout. Mais bon, voilà, hein, c'est une boîte automatique classique. Et puis voilà, donc à l'intérieur, moi personnellement je suis bien installé, après on le verra en conduisant, mais on va aller voir le coffre. Parce que le coffre, ben, y a du coffre. Vous avez vu, on a du budget chez nous. Eh oui, production, je filme. Eh ouais, c'est ça qu'on parle production. Je croyais que je pouvais le faire. Le coffre qui caméra, est. Hein.
Donc ouais, bah oui, ça, caméra c'est pratique recul. Parce que du coup, vu que les appuis-têtes se bougent pas, etc., on a très peu de visibilité. Ouais. Donc ça reste quand même pratique. Ah oui, c'est vraiment hyper pratique. Voilà. Et puis du coup, il y a quand même un très bon coffre. Bon, moi, je protège tout le temps. Mais ça va loin derrière. C'était protégé. La Golf était déjà clinique, voilà, mais là, c'est, voilà. C'est neuf. Il y a tous les produits d'entretien, du coup. Donc vraiment, il y a de quoi, en fait, vous pouvez voyager sans aucun problème. Et si jamais vous vous faites kidnapper, sachez que, petit tuto, il y a une truc ici pour ouvrir. Non, vraiment, c'est très sympa. On est sur un gros coffre, donc vraiment une capacité de bouger qui est franchement agréable. La plaque qui se barre, mais c'est pas grave, laisse-la comme ça. Au pire, on a bientôt filmé. Le moteur, on va aller voir le cœur de ce véhicule. On tire deux fois. Une fois. Deux fois. Ouvrir, il dit ça parce que peut-être que je me suis trompé tout à l'heure. Bon, c'est pas grave, d'accord. On n'est pas tous avec eux. Hein. Oh. Moi, j'ai pas de BM. Comme ça, il n'y a pas besoin d'avoir de loquet. Exactement. Et donc là, nous avons un 6 cylindres 3 litres single turbo de 327 chevaux. Ouais, c'est ça. Et 450 Nm de couple en X-Drive, ce qui donne le 0 à 100 en 4 secondes 5. C'est ça. Ce qui commence à être un petit dragster sympathique. Donc 6 cylindres 3 litres. Au niveau consommation, ça va? Là, je suis à 10 litres 9. 10 litres 9 pour 300 chevaux en X-Drive. Ouais, sachant que du coup, ça fait 3 mois, donc je l'ai testé, etc. Ouais. Pour attendre quelques mois, voir, voilà, pour stabiliser. Je pense que je serai à 10 litres, voire à peine en dessous. Ce qui est franchement raisonnable. Ouais. C'est pas mal. Ouais. Sauf comparé à la Golf, bon, voilà, mais c'est pas mal. Donc on a un seul turbo, c'est quoi déjà le code moteur? C'est le N55. Voilà, N55, donc il se reprogramme. Mais le faites pas, hein. Alors là, c'est illégal, c'est pas bien. Donc vraiment, voilà un moteur. J'ai juste rajouté le filtre KN. Ouais. Comme l'ancienne d'ailleurs. Oui. Et il y a des chances que je fasse une reprogrammation, mais de la boîte. Parce qu'elle est à peine mal étagée selon moi. Pour que ce soit plus fluide et mieux réactif. Parce que la DSG que j'avais était. Ouais, sensationnel au niveau de la réactivité. C'était parfait. Ouais. Et c'est vrai que là, les palettes sont à peine différentes, donc faut travailler ça. Ouais, ouais. Et au niveau du turbo, on le voit d'ici ou pas? Parce que je regarde, mais je ne le vois même pas. En même temps, quand t'as la taille du cache moteur. C'est vrai que le cache moteur, ouais, bah, il cache tout. Mais il est immense. C'est vrai qu'il est grand. Ça fait 50-55 quoi. Vraiment, c'est extrêmement efficace. Moi, j'adore. Alors. Facilement en plus. Les 6 cylindres 3 litres, au niveau de la sonorité, les derniers, je les trouve pas dingues. Je sais pas, ça manque un peu de rock. Mais là, c'est cool. Celui-là, il est vraiment cool. Il est gras. Après, voilà, pour moi, le meilleur 6 cylindres, c'était vraiment de la 325i. Je revenais pas, j'étais bluffé. Non, mais j'étais bluffé, c'était incroyable. Et là, on est sur un single turbo, c'est quand même magnifique. Voilà, au niveau du moteur, on va faire un petit démarrage, histoire de nous faire écouter la bête. Là, du coup, je vais me mettre en mode sport. Voilà. C'est sympa. C'est juste ce qu'il faut pour s'amuser, sans casser les oreilles à tout le monde. Et vraiment, ça fait un bruit génial. Les petits retours, ouais, c'est très grave. Hein. Tu vois, on dirait un daron énervé. Ouais, non, mais en fait, c'est moins étouffé que les biturbo. Ça s'entend que c'est moins étouffé. Et vraiment, c'est plus ce qu'il faut. Sachant que la ligne, donc voilà, comme vous l'avez dit, elle n'est pas d'origine. Ça se fait rapidement. On va passer sur un petit test routier. It was at this moment that he knew. He fucked up. Yeah, on a oublié les plaques! Non putain, il roule avec les plaques du film. Oh, toute neuve. Je suis désolé Jérôme, on a oublié d'enlever les plaques. On va bientôt s'arrêter. On est en jeu film. Oh merde. Mais surtout c'est pas les gars. Mais c'est toujours là. C'est incroyable, c'est un miracle. On était dans la voiture, c'est pour ça qu'on filmait. On était dans la voiture, je parle des plaques, je fais. C'est pour ça que du coup quand je suis parti, à l'avant ça m'a bipé en rouge mon radar. Ah bah ouais, c'est parce qu'il y a des plaques dessus. Oh non mais trop con. Bon alors, du coup test routier de cette BMW M235i. Voilà. On vient de vous faire des petits plans, j'espère qu'ils vous plairont, routiers. Bon alors on est bien installé hein, dans les sièges, ça y a pas de problème. Je me suis assis dans du chocolat dans la voiture de Melvin. Désolé pour ta voiture, hein, Melvin. T'inquiète. Allez voir la vidéo d'ailleurs, en 16 000 vues, c'est inattendu. On est bien dans cette M235i. C'est pas une M2, hein, attention, c'est pas la même chose. Donc, du coup, comme on disait, hein, y a tous les modes de conduite. Hein. Ouais. Donc là, je peux me mettre en éco pro, en confort. Je sais pas si ça s'affiche du coup. Si, si, ça s'affiche. Sport et sport plus. Et là, tout est déconnecté, ESP off, etc. Et là, c'est le bordel, c'est la gueule. Là, je suis en traction du coup. T'es en traction? Il n'y a plus que 10% à l'avant. Ah, ok. Non, t'es en propulsion du coup. Je suis en propulsion. Ouais, ok, ouais. Ça, je peux tout déconnecter pour éventuellement s'amuser. Pour faire des ronds-points. Là, je me suis mis en sport parce que vu qu'elle est chaude et qu'on a fait les plans, bah, on va directement accélérer un gros coup et vous allez voir ce que ça fait. Bah, j'ai hâte. J'adore ça. Du coup, là, on a la boîte. Là, je suis en drive. Ouais. Et là, je suis encore en sport.
En plus du sport. Ok, ouais. Voilà, donc là tout est en sport. Là c'est le bordel. C'est ça, donc du coup j'ai la direction qui est plus dure. Ouais. Et du coup la boîte qui est retravaillée. Ah, on entend beaucoup le moteur. Ouais, je m'attendais pas à ça. On entend beaucoup plus quand je suis en sport, ouais. Ah ouais, là après, c'est. Après on se mettra en confort, on n'entendra plus. Donc là du coup on va faire une petite accélération. Attendez, je vais laisser comme ça. Un peu plus violent. Oh putain! Je m'attendais absolument pas à ça. C'est un peu violent. Oh, nom de Dieu. Et on disait déjà que la Golf ne s'arrêtait jamais. Celle-là, c'est pire. Ah non, mais là l'accélération, ça a rien à voir avec la Golf. La Golf est moins violente que ça. Hein. C'est en termes de... T'as d'un coup ta tête qui fait ça. Ouais, la tête part d'un coup. Et ouais, c'est assez violent. Je me suis fait ça. C'est incroyable. Ça pousse. Ça pousse. C'est un peu plus violent. Waouh. Et du coup, là, l'avantage, c'est que vu que là, je suis toujours en X-Drive, on va refaire le chemin inverse. Ouais. On va accélérer quasiment à l'arrêt. Et en fait, ça patine pas du tout. Ça part direct. Ouais, c'est les 4 roues motrices. Voilà. Donc, du coup, c'est assez violent parce que du coup, c'est pour ça que les 4 secondes 5 se font et qu'elle est plus puissante que la Golf aussi. C'est que la Golf patinait. Ouais, forcément, traction. Celle-ci ne patine pas du tout. Voilà. Oh la vache. Ça va être un peu plus violent, du coup. Ah, mais je m'attendais à quelque chose de violent. 0 à 100, 4 secondes 5, faut y aller. Mais pas là. Là, d'un coup, c'est. Wow, c'est sûr qu'encore une fois on est trois, donc moi quand je suis tout seul Ouais, ça doit bombarder du futur. Ouais, quoi. Je me fais plaisir. Ah non, mais je m'attendais pas à ça. Hein. Oh la vache, petit missile quoi. Parce qu'en plus ouais, elle est pas grande la voiture. Je m'attendais vraiment pas à waouh, puis alors ça gueule hein. Ouais, ça gueule un peu quand j'ouvre tout parce que là du coup le clapet est ouvert parce que ouais, forcément le clapet s'ouvre automatiquement. Au niveau des dodanes, ça va, c'est pas trop gênant. Non, bah moi je les prends entre 10 et 20 km/h. Après c'est une habitude que j'avais déjà prise avant. Ouais. Donc c'est pas un drame, on va dire, c'est comme ça. Par contre oui, il faut. Avec la lame qui est devant, faut quand même y aller doucement. Quoi. Ah là, on a la caméra. Parce que j'ai frotté. Ah, t'as déjà frotté? Oui. Ouais, forcément. Sur des dodanes que pourtant je vais déjà doucement à l'origine et ça n'a pas suffi. Ah ouais, non, mais. Melvin en tout cas me disait que j'allais être vraiment plus surpris que le X6. Voilà, c'est bon. Il n'y a même personne là devant, donc du coup là ça va être cool. Ça va être quasiment un launch control. Ouais, bah je. Voilà, sauf que là ça va être pied plancher. Là j'attends. Je vais me filmer nous pour. Voilà. Donc là on va y aller. On va être à l'arrêt. Jusqu'au bout. Donc voilà. Là, il y a eu 91 fait. Là, je me remets en confort. Et regarde, ça va au fur et à mesure. Ça fait plus. Je. Putain. J'ai pas d'autres mots. Là, vraiment. Là, on est sur. Ouais, dragster quoi. C'est assez dur. C'est. Oh, la vache. C'est connu que BM, c'est. Beaucoup de personnes disent que c'est des véhicules de ligne droite, etc. Alors, je suis assez d'accord, mais. Vu que celle-ci elle est vachement basse, elle tient super bien les courbes. J'ai fait des cols de montagne la semaine dernière. Ouais. Et ça tient quand même super bien les courbes. Suffit de se mettre aux palettes, etc. C'est super agréable. Ah ouais, non, mais par contre, ça bombarde. Là, je suis en confort du coup. Donc d'ailleurs, on bien. Entend, il n'y a plus un bruit. Il n'y a plus rien. Enfin, il y a juste ce qu'il faut. Et du coup, si j'accélère normalement, on monte sans souci. Et ça fait plus de bruit, quoi. Ça, c'est bien. Non, mais juste, on est bien. Par contre, c'est vraiment bien amorti. Là, on est vraiment confort. Ouais, et en confort, on est vraiment très très bien. Là, le mode sport, tout s'ouvre, donc bien entendu, elle gueule. Voilà, c'est assez violent. Mais là, du coup, là, je suis à 95, 90. La voiture, elle consomme du 5 litres 7. Voilà. Ouais, c'est vraiment pas grand chose. Hein. Non, même moins. Voilà, 5 litres 3. Voilà, là, en fait, sur l'autoroute, tu dois pas vraiment beaucoup consommer. Non. Alors ça oui, il m'avait pas manqué, même moi. Non, pas ce bruit, le coffre. Il m'a tendu dès le début. Des bruits qui sortent de nulle part. C'est mes pneus. Ah bah oui, ouais, tu m'avais dit que les pneus, forcément. J'ai pas encore tout réinitialisé, la contrôle de pression des pneus. Ouais, forcément. Ça a été fait tout récemment, donc ne vous inquiétez pas, ça. Surprenant. Voilà. Là, on va pas se mentir, je m'attendais pas à une violence pareille. Ça colle. C'est assez confortable. Et puis ça reste confortable. Ah ben bah là vraiment, là on est bien. Puis la voiture elle accroche. Elle accroche. Ah bah genre, là, tout décidément, ça n'arrête plus là. Elle est trop connue. Il faut savoir par contre que même à l'arrière, comme on est bien. Bon là forcément je suis un peu tordu parce que je suis en train de filmer, mais genre vraiment, genre quand on est posé, on est posé quoi. Bah l'autre jour on a emmené Victor qui avait fait une vidéo avec vous là. C'est le meilleur achat que t'as fait de ta vie. Puis qui avait fait la Golf. Ma copine était derrière, elle avait pas. Elle était bien. Ah ouais, non mais. On est moins bien. Dans la Golf que dans celle-là, à l'arrière. Ah ouais? Ah ouais, dans celle-là on est bien installé. C'est très bien.
Non, c'est surtout que c'est là, les sièges, ils sont. Vu qu'il y a que deux places, j'ai l'impression qu'ils sont genre mieux faits en fait. Melvin, tu fais combien en taille? Moi, je fais 1m70. Donc 1m70, voilà, moi je suis vraiment bien au niveau des jambes et tout, et Melvin est derrière moi sans problème. Je fais 1m70, j'ai beaucoup de marge. Hein. Je suis bien. Et par contre, t'as l'arrière sympa ça. Ah bah oui, bah ça petit c'est le porte-gobelet. Genre tu sais, t'as là le porte-téléphone là qui est bien, et puis t'as ça. Alors, j'ai pas montré, mais trappe à ski. Ouais. Non, j'ai pas montré, mais pareil, depuis le coffre, on peut abaisser les deux sièges en tirant deux manuels. Ah oui, d'accord, ouais. Ah, ça c'est cool, c'est toujours pratique. Bah, c'est surtout que ça évite de devoir appuyer, je sais pas où, voilà, devoir passer, vu que c'est C'est chiant. Non, là c'est vraiment. Non, mais c'est polyvalent en fait. Hein. C'est... Ouais. En daily, c'est envisageable? Après, c'est la consommation. C'est un petit réservoir, donc c'est chiant. Tu mets combien là-dedans? C'est un 40 litres. Ah oui, oula. Ouais, je crois même en dessous, même. Non, c'est 40. Du coup, c'est chiant parce que. J'ai du mal à. Parce que c'était un 55, je crois, sur la Golf. Ouais, donc forcément, là, du coup, j'y allais moins avec la Golf, mais en réalité, je consommais quasiment pareil. Ouais. Mais c'est vrai que là, bon, j'ai remis à zéro pour savoir pour mes pneus. Tu vois, là, du coup, je l'ai mis au bout de 10 km, donc je dois être à 155 bornes de fer avec les pneus. Ouais. Mais en moyenne, avec le plein, on arrive à faire 450, 500 bornes. Petite Porsche. C'est un Macan? C'est un Macan S, ouais. Après, c'est un 40 litres, donc tout est relatif, on va dire, avec 75 euros, vous faites 450 km. Ouais, mais par exemple, c'est un peu chiant si tu veux partir en voyage, si tu dois t'arrêter toutes les 500 bornes. T'es obligé. Après, tu peux te mettre en EcoPro et consomme vraiment que dalle sur l'autoroute. Ouais. Si t'es à allure standard, il n'y a pas de souci. Oui, tu t'en fous, après, t'as pas. Puis ça consomme vraiment que dalle. Parce que sur la nationale, déjà, ça consomme très peu. Ok, ouais. Après, je peux être en confort, mettre que la boîte sport, et puis du coup, on y va. Ça, c'est déjà pas mal. Après, ça fait moins de bruit, on le remarque. Ouais. Les clapets sont fermés, bien entendu. Mais on sent que ça fait beaucoup moins de bruit. On part quand même. Hein. Ça avance. Ça pousse. Vous ne manquerez jamais de puissance pour doubler, ça c'est évident. Ah bah ça c'est impressionnant. Moi elle m'a mis sur le cul par rapport à la Golf. Après, la différence par rapport à la Golf, c'est que la Golf, on sent qu'elle était plus légère. Enfin, elle paraissait plus légère parce qu'en fait elle s'envolait un peu plus. Celle-ci, elle est vraiment collée au palais. Ouais. Et elle paraissait plus nerveuse, la Golf. Bah, celle-ci elle est vraiment puissante, on sent la puissance brute. En fait, on sent vraiment déjà les quatre motrices. C'est ça. Ça vraiment, ça n'a rien à voir. On sent que la Golf c'est l'avant qui tracte et là c'est différent, c'est un feeling. Puis forcément, 0 à 80. Hein. Après, les purs BM, voilà, diront propulsion c'est mieux, etc. Après, il est déconnectable. Il est déconnectable, mais en attendant, les quatre motrices ça permet de sortir en toute sécurité toute l'année. Voilà. C'est vraiment un gros avantage. Et vu que c'est. Enfin, les propulsions pour en profiter, il faut soit faire vraiment le sauvage. C'est normal, hein, encore une fois. J'ai pas mis à fond, je suis pas à fond, mais c'est suffisant. Ça avance, quoi. Je suis à moitié de pédale. Ouais, on sent que ça avance, quoi. C'est largement suffisant. On se met quasiment jamais à bloc en réalité. C'est une sortie de péage, les freins aussi sont très rassurants. Ah bah, les freins, alors les freins BM sont souvent réputés comme étant faiblards au niveau de quelques freinages. Pardon. T'as rien remarqué toi ou. Non, ça va. Forcément, j'ai aucun souci avec ça. Loin de là. Après, forcément, si tu fais pas de piste, bon, tu t'en fous. Bah, déjà, il y a ça. Après, ça dépend aussi comment on les utilise. S'ils écrasent le frein, bah, c'est sûr que. Il y a une série 6, BMW ouais. 6, que j'adore. Donc, c'est une des plus belles voitures de l'histoire. J'ai aussi l'habitude d'avoir des véhicules, on va dire, puissants. Donc, je freine différemment. Si je me remets en mode sport, donc là, la boîte est quand même un peu en sport, mais je peux la remettre en sport. Si j'accélère à peine, voilà, là par contre ça réagit tout de suite. Ouais. Voilà. C'est un peu plus violent, pourquoi? Parce qu'en fait en confort elle passe le rapport plus tôt. Là du coup, comme je l'ai dit, hein, là c'est l'avertisseur de collision. Ouais. Et là on a encore l'avertisseur avant de quitter la voie, donc tout ce qui est lane assist en fait, voilà. Ok, ouais. Moi je le mets pas lane assist parce que ça me saoule. Ouais, c'est chiant, en fait ça fait même peur. Oh, petite Porsche, ancienne, hein. 911. Par contre, l'avertisseur de collision, je le mets. C'est quelque chose que je trouve important. Et on est de Inception. On sait jamais. Ça marche étonnamment très bien. Waouh. Allez, je vais en acheter une, c'est bon. 35 000. Parfait. Du coup, elle est à toi. 35 000, elle est à vous. Bon, elle est à... on fait 50-50, je la prends le week-end toi la semaine. Ouais, vendu. C'est surtout le elle a un petit délai de latence que la DSG a beaucoup moins. Après, on sait tous que la DSG est très très bien. La dernière DKG aussi est très très bien. Et du coup, c'est sur la M2, la DKG. Ouais, mais. Et c'est vrai que voilà, c'est pour ça que pour moi, ça mérite une petite reproque de boîte pour qu'elle soit mieux aux étages. Après, sincèrement, le seul truc que j'aurais à lui reprocher, entre guillemets, justement, en parlant de ces boîtes-là, la boîte de la Golf, tu sentais même pas les passages quand tu étais à plein dedans. Là, on sent, même quand tu passes le rapport, on sent un léger
que ça passe. La Golf, c'était non-stop. Ça partait de 0 à X. Et vraiment, on ne sentait rien. C'était juste, ça accélérait. Là, on sent un léger à-coup. Enfin, à-coup. Non. On sent que ça passe les rapports. Mais alors, à part ça, ça fonctionne. Après, ça passe à 7 piles quand même, hein, sur celle-là. Ouais. Quand ah oui, d'accord. Ouais, ça, bloc, ça va à 7 piles. Elle fait quoi en poids, tu sais? Tonne 6. Je sais qu'elle est lourde. Elle est plus lourde que la Golf. Ça, forcément, vu qu'elle est 4 motrices. Mais par contre, je sais qu'elle est lourde. Je marquerai au niveau de l'écran. T'as le visage là, confort, sympa, on s'en fout, on entend le moteur parce que bon, moi si j'ai un 6 cylindres, je l'entends. À un moment, il faut dire ce qu'il est. Bah là, on l'entend sans plus. Au final, mais voilà, c'est sans plus, c'est bien, c'est confortable. T'as ça pendant 1000 km, tu t'en fous. Mais et tu veux avoir t'amuser, c'est faisable aussi. Non, pareil. L'autre avantage, c'est que vu que le turbo se déclenche beaucoup plus tôt que sur la Golf c'était à 3000-3500 tours qu'on sentait le turbo. Ouais. Tu l'avais senti hein, d'ailleurs, on avait rarement le coupé ouais. à ce moment-là. C'était, ouais. Là, c'est direct. Du coup, l'avantage qu'il y a, c'est que la Golf. Quand j'étais à 130 sur l'autoroute, j'étais à 3000 tours et c'était au moment où il y avait le turbo. Du coup, il y avait un bourdonnement qu'il n'y a pas avec celle-là à 130. Ah ouais. Non, mais non, vraiment, agréablement surpris. C'est comme la 325i, je ne pensais pas que ça fonctionnait. Je ne pensais pas que ça fonctionnait si bien. Donc vraiment, ouais, surpris et dans le bon sens du terme. Ah, on n'a pas dit, elle a 75 000 km. Donc ouais. Elle est vraiment dans la forme. Ouais, quoi. 75 000, 58, c'est tout récent. Oh, bah, c'est pour ça que je l'ai acheté aussi parce qu'un véhicule si peu kilométré, acheté en concession France. Suivi BM entièrement, on a regardé tout à l'heure. Puis dans cet état, t'as rien demandé. Avec autant d'options. Après, voilà, ouais, quelques trucs. Enfin, par exemple, des boutons vides au prix de la voiture neuve, en vrai, enlevez-les. Genre. Mais parce que vous mettez ça, je sais même pas à quoi ils correspondent. C'est non, c'est, mais des fois, ça correspond juste à rien. C'est dommage, tu vois. C'est des détails qui feraient que vraiment ça serait parfait. On est vraiment très enfermé, ça fait très sportive. Hein. Mais pour moi, c'est une sportive. Je comprends la vidéo de Villebrequin quand il disait que vraiment c'était la plus fun des compacts, entre guillemets. C'est que vraiment on a le 6 cylindres, donc déjà c'est plus noble. On a du coup une sonorité qui est différente et vraiment on a une polyvalence. La RS3 est plus aseptisée, la A45 est d'une mocheté. Moi je la trouve pas belle cette voiture et en plus c'est un 4 cylindres. Regardez l'homme. Comme quoi les BM ça peut faire office de très bons miroirs. Oui. Bah du coup c'est tout pour cette vidéo. Merci Jérôme de m'avoir apporté ce véhicule, c'est super sympa. Très surpris hein, honnêtement, j'adore comme d'hab. Hein. De toute façon dès que j'achète une voiture, c'est génial. Merci Melvin d'être venu, de m'avoir aidé et d'avoir fait la traveling car production, caméraman, etc. Vraiment que du positif, hein. J'aime beaucoup ce véhicule, j'aime la gueule qu'il a. Bon, Jérôme a roulé vite fait avec les plaques de film. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos sur ma chaîne. On a fait avec Jérôme une vidéo sur une Golf 7 GTI Club 4 qui a fait 8700 vues. Ce qui est agréable et qui était une très bonne voiture. Je remercie donc Jérôme d'être venu. N'hésitez pas à lâcher un like. Si vous voulez faire passer votre vidéo sur ma chaîne, n'hésitez pas à écrire dans l'adresse mail dans la description jefilm39@gmail.com. Et on rentrera en contact. Déjà à 2h, il a dit n'hésitez pas à rentrer votre vidéo dans la barre de recherche si vous voulez parler de votre voiture, je pense. Et t'as dit si vous voulez passer en vidéo, n'hésitez pas à rentrer votre vidéo. Ouais, mais en gros, vous m'écrivez du coup, à l'adresse. On rentre en conflit. Ouais, Mais du coup, si vous voulez passer dans ma vidéo, n'hésitez pas à écrire dans l'adresse mail en description. Voilà, là c'est plus propre. Ouais. Et on pourra s'entendre. Et puis, ou alors en commentaire directement. Si vous avez des retours aussi, d'expérience, des conseils, des choses. Comme ça, voilà, je cadrerai même plus. N'hésitez pas à l'écrire en commentaire aussi. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao! Bon, très important. Pendant un tournage, il faut pas oublier. C'est bon quand même, c'est bien beau de tourner. Mais bon, il y a un moment donné, on reste des êtres humains. On voit les copains derrière. Du coup, c'est l'heure de la pause de pipi. Et voilà! On se sent mieux, hein. On se sent mieux quand on n'a plus la vessie pleine. Là, je suis en confort du coup, donc d'ailleurs on entend, il n'y a plus un bruit. Comment on retourne ? Il n'y a plus rien. Surprenant. On n'a pas ouvert à cause des... On se pousse. Et en fait du double visage. T'as le visage là, confort, sympa, on s'en fout, on entend le moteur, parce que bon, moi si j'ai un 6 cylindres, je l'entends. À un moment, il faut dire ce qu'il est. Bah là, on l'entend. J'étais en train de chercher mon briquet, j'ai retourné toute ma bagnole, je suis en train de... Et celui-là, elle a la couche, je le regarde dans la... Non. Ouais, je suis d'accord. Il est où ton crochet? Au centre? Non, t'as juste à gauche. Faut tirer deux fois, c'est marqué sur la tirette. Ouais, justement, donc un claque, deux claques. Et bah t'as mal fait ton claque. Ah bah super. Voilà. Ouais, mais j'ai pas de BM. J'ai pas de BM. Moi je sais pas faire. Moi les voitures je connais rien. Bah ça se voit. Ça c'est un 3 cylindres Peugeot, je le reconnais. Ouais, c'est ça. Un litre de PureTech. Ouais, et le mec il veut commencer à pousser, t'as 3008 qui commence à faire. Ou alors pour les bons comme moi.
Je croyais que je pouvais le faire. Oh, il a cassé. Il a cassé le BM. Du coup, on a Melvin, testeur de cadavres. On en rentre 3 comme moi. Sans problème. Donc ça fait 2 cadavres adultes normaux, parce que moi je suis une demi-portion. Comme quoi, le X6 c'est pas la seule voiture de gangster. On peut avoir le aussi X6 c'était plus facile à rentrer. Hein. Bah, on voit juste ton cul quoi. Et quand je lui bouffe là. Bonjour, je suis Olivier de Carglass.